Bonjour et bienvenue sur Hello Crochette. Non, non, vous vous êtes pas trompé de chaîne. Hein. Nous sommes toujours dans le crochet. Et par contre, petite vidéo spéciale qui va s'appeler l'astuce numéro 2. Et le titre principal, c'est comment adapter sa réalisation en fonction de son corps ou de la personne à qui on le fait. Donc, on va voir plusieurs façons de comment adapter la création. Ensuite, on va regarder aussi l'échantillon, à quoi il sert et l'adapter pour le crochet, parce que ça c'est toujours à l'aiguille. Voilà. Et ensuite, nous allons aussi voir la version comment adapter une réalisation dont vous avez le modèle, mais qu'il faut adapter à votre corps. Donc, voilà, il y aura plusieurs façons de calculer tout ça. En fait, je reprends, entre guillemets, l'article que j'avais mis sur mon blog et que vous avez le lien en dessous. Je le reprends, mais cette fois-ci en vidéo. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais, une taille 46, combien de mailles et autres. Alors après, ça dépend de comment on fait la réalisation, hein. Et je dirais que c'est délicat pour répondre parce que chaque corps est différent. Vous pouvez faire, je prends un exemple, une taille 44, hein, mais vous allez avoir peut-être plus de poitrine que l'autre personne, ou une qui aura une taille et un peu plus affinée que vous. Voilà, c'est toujours difficile pour nous les femmes parce qu'on a tellement des corps différents. D'où notre charme. Donc je trouve que le mieux c'est adapter. Donc je reprends mon article avec toutes les astuces dedans et on le voit en vidéo. Allez, c'est parti. Alors premièrement, vous avez envie de créer un pull. On va prendre un pull, hein, ou un bonnet, c'est pareil, pour vous. Alors là c'est top, vous avez le corps avec vous. Donc, vous allez prendre un centimètre et vous allez mesurer votre corps. Alors, je vais vous dire des choses logiques que certains ne connaissent, donc vous avancez la vidéo. Après, il y a des choses qui sont logiques, mais on n'y pense pas forcément. Voilà. Pour le pull, ben, vous allez mesurer, en fin de compte, plusieurs endroits. De l'épaule, ici, de votre épaule à votre épaule. Ensuite, vous allez mesurer de dessous le bras, ici. Après, ça dépend. Si vous faites un pull, je vais vous donner plusieurs cas de figure. Si vous faites un pull, ici, droit, manche droite, hein, c'est pas gênant. C'est-à-dire que là, vous aurez la continuité. Si vous faites un pull avec, comme on dit, une manchure ici, ben là ça va être important puisqu'ici ça va être large et en haut plus étroit. Donc là vous allez faire des diminutions. Donc ces deux dimensions seront importantes. Voilà pour ça. Ensuite, ben vous allez mesurer. Alors, si là le pull est droit, pas de souci. Cette mesure est bonne tout le long. Ensuite, vous allez mesurer bien sûr la longueur. C'est-à-dire là où votre pull, vous souhaitez qu'il s'arrête. Alors, il peut s'arrêter à la taille. Et souvent, ce qui est mon cas, moi, souvent, il s'arrête à peu près ici, derrière les fesses. Donc, vous mesurez. Ça n'empêche pas, je le dis et redis, que lorsque vous crochetez, vous avez bien sûr noté toutes vos mensurations. Vous essayez au fur et à mesure. C'est important. Moi, la première, je le fais. J'ai, par exemple, fait ma maille chaînette ici. On va voir ensemble. Je fais le point. Ben, de temps en temps, quand par exemple, je suis ici, hop, je me le mets sur moi et je vois si ça va. N'hésitez pas, pour ne pas avoir des mauvaises surprises quand vous avez fini le pull. Ce serait un peu dommage. Quand vous mesurez, alors, ici. Quand vous mesurez de là à là,
Alors, bien sûr, la mandessin, il est plat. Mais vous, vous n'êtes pas plate. Donc, vous allez au milieu, si je peux dire, de votre épaisseur, de votre ventre du dos. Hein, le milieu ici et le milieu de l'autre côté. Ça vous fait comme un demi-cercle. Hein, d'accord? Vous êtes ronde, hein, on n'est pas plate. Hein, voilà. Donc, ça, vous y faites attention. Ensuite, c'était une couturière qui m'avait donné ce détail, parce que n'étant pas du tout couturière, je ne le savais pas. Quand vous allez mesurer la longueur de votre bras, on ne mesure pas le bras droit. On prend la mesure de l'épaule, ici, et on le prend avec le bras plié. Alors, quand elle me l'a dit, ça m'a paru tellement logique. Mais je vous assure que tout au début, je ne le faisais pas. Je prenais droit, je prends le bras, tac, je mesure. Non. Pourquoi ? Ben, quand vous pliez, forcément, vous prenez des centimètres. Hein, quand on plie le bras, forcément, le tissu monte, donc il faut un petit peu plus. Donc, vous prenez la longueur de votre bras plié. Voilà. Et là, normalement, vous avez toutes vos mensurations. Alors, bien sûr, si par exemple, je dis un exemple, ici, c'est 50 cm, vous allez le multiplier par 2. 50 cm pour le devant, 50 cm pour le dos. On est bien d'accord. Voilà. Donc, faites attention. Du coup, ça fait une mensuration de 100 cm. Quand vous avez tailles dans les tableaux que l'on trouve sur Internet ou sur mon blog, ce sont les mensurations dos et devant qui fait le tour. Donc, il faut diviser par 2. Pensez-y. Si vous faites, je dis une bêtise, je sais pas moi, on va prendre un chiffre. Si vous faites par exemple 60 cm, vous êtes très fine ou un enfant, sur un tableau, c'est 60 divisé par 2, ce qui fait 30 devant, 30 derrière. Voilà, attention. Donc là, normalement, vous avez tout ce qu'il faut et vous pouvez crocheter. Pour crocheter, je vais vous faire voir aussi ce qu'il faut faire attention, les petites astuces ou les choses à éviter. Si vous le faites pour une personne, alors vous prenez les mensurations quand vous l'avez sous la main. Si c'est pour faire une surprise, vous avez deux cas de figure. Alors on va marquer surprise. Soit vous avez un vêtement d'elle, un pull, et là, ben, vous pareil. Alors là, le pull, c'est encore mieux. Hein. Il est plat. Je veux dire, vous repérez les coutures hein, et vous prenez toutes les dimensions. Et en plus, vous l'avez sous la main. Donc, au fur et à mesure que vous crochetez, vous le posez dessus et vous comparez. Ça, c'est le plus facile. Vous avez zéro vêtement de la personne sous la main. Alors, souvent, on me le demande pour des bébés. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours toutes les tailles des bébés sur Internet. Et l'astuce que j'ai donnée sur mon blog, et je trouve que c'est la plus facile. Oui, la plus facile, peut-être un peu la plus un peu fastidieuse, mais vous allez à un magasin. Vous allez au magasin avec votre centimètre, un stylo, un papier, et vous mesurez, par exemple, la petite robe que vous voulez faire. Vous mesurez le petit pyjama ou le pull, la veste que vous voulez faire. Ça reste toujours une surprise, la personne n'est pas au courant. Et vous avez les dimensions, alors attention, hein, dimensions standard d'un bébé. Ou standard d'un vêtement de femme ou d'homme, hein, voilà.
Ça, c'est... Après, chaque bébé, chaque personne est différente. Mais vous avez les tailles standards. Donc ça, c'est une petite astuce qui est pratique, facile, et qui fait quand même toujours la surprise sans poser des questions aux parents ou à la personne concernée. Voilà. Donc, au niveau centimètres, vous avez là deux façons de le faire. Voilà. Ça, c'est au niveau mensuration. Maintenant, on va passer entre les centimètres et les mailles. Deuxième version. Vous avez donc vos mensurations. Donc, vous connaissez vos centimètres et autres. Et j'ai fait une vidéo d'un pull. Donc, vous allez avoir un critère de repère. Dans ma vidéo, moi, je vous annonce, mettons avec les chiffres bidons, hein, 90 cm, j'ai fait 120 mailles pour la maille chaînette, hein, admettons. Voilà. Et vous, vous faites 50 cm, par exemple pour le pan de devant, hein, pour un pull. Et vous voulez savoir en maille combien vous allez devoir prendre. Nous prenons la calculatrice. Alors, je suis désolée, je crois qu'il va y avoir un choc de lumière. Et on va faire le produit en croix, c'est-à-dire... Voilà. Donc, on va prendre 50 cm multiplié par 120. Donc, 50 fois 120 égale divisé par 90 cm. C'est le produit en croix. Par 90. Et ça va faire, alors là je vous arrondis, c'est soit 66, soit 67. Hein? Voilà. Donc nous on va arrondir en haut. Ça va vous faire 67 mailles en l'air. Donc le produit en croix, c'est la base, hein, au crochet ou à l'aiguille. Voilà, on l'utilise beaucoup. N'hésitez pas à l'utiliser. Donc maintenant, vous n'aurez plus besoin de moi. Alors tout ça, vous l'avez dans mon article, hein, sur le blog qui est en dessous. Vous savez que quand moi je vous donne les centimètres avec les mailles en l'air, vous pouvez l'adapter tout simplement à vous en faisant le produit en croix. Hein. Donc ça va faire, je vous le marque en opération, hein, ici, ça va faire, 50 fois 120, 50 fois 120, le résultat ici sera divisé par 90 et ça va vous donner 60 mailles en l'air. Voilà. Pour connaître vos mailles en l'air. C'est valable dans l'autre sens. Hein. Vous avez des mailles en l'air, vous voulez connaître les centimètres, c'est pareil, mais... Par exemple, il y avait 67 mailles en l'air, 90 cm, 120 mailles. Ben, vous allez faire 67 fois 90 divisé par 120, vous aurez les centimètres. Alors, attention, ça, quand moi je donne ici ces renseignements, c'est valable pour le même crochet que moi et la même laine que moi. Là, c'est bon avec la même laine et crochet. Si ça là, vous changez de crochet et vous changez de laine, ce n'est plus valable. Attention, hein. Donc là, si vous changez de laine et de crochet, vous reprenez ici votre petit corps, vous prenez les mensurations et vous le faites, comme là je vais vous expliquer, avec la maille en l'air et les centimètres, le plus classique, hein, la base. Hein, voilà. Donc là, moi, je vous l'explique en ayant la même laine, le même crochet. Hein. Attention, c'est bien, il faut bien être bien se mettre dans la tête. Hein, voilà.
continue. Maintenant, on va prendre la base. Vous avez vos mensurations que vous avez notées. Alors moi, je vais prendre l'exemple de 13 cm, hein, admettons, pour que ça reste dans le, le cadre de la caméra. Donc 13 cm. Pour vous, ça va être 50-80 cm. D'accord ? On prend bien sûr la laine et son crochet qu'on a choisi. Donc ça, la taille de votre laine et la taille de vos crochets, c'est ça qui joue sur tout. Hein? Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est simple. On fait notre maille chaînette. Alors bien sûr, vous prenez en considération le multiple. Si le point a un multiple de 2 ou de 3 ou de 12, vous le prenez en considération. On est bien d'accord, hein? Voilà. C'est vous l'intégrez dans votre façon de après de travailler. Hein. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je fais une maille chaînette, hein. Je me colle. Alors ne tirez pas comme une malade sur votre maille chaînette pour connaître les centimètres. Hein. Vous posez tout simplement. Voilà. Là, vous voyez, je suis à 13. Le hasard fait bien les choses. Voilà. Je suis pile à 13. Vous voyez ici. C'est vrai que voilà, 13 cm. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Alors, si vous avez un point qui nécessite un multiple, vous comptez le nombre de mailles et vous rentrez et vous calculez si votre multiple est bon. Si ce n'est pas le cas, vous rajoutez une maille ou deux mailles, vous adaptez en fonction. Hein? Voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, souvent, on a un premier rang, soit de mailles serrées, soit de bride, hein, ou alors c'est le point directement. Et dans tous les cas, vous faites le premier rang de mailles. Alors admettons, on va faire un rang de mailles serrées. Voilà, tout simplement. Pourquoi je vous fais faire ça et que je ne vous fais pas rentrer votre centimètre? C'est que quand vous travaillez la maille chaînette, hein, suivant le point que vous utilisez, soit elle va se rétrécir, soit elle va s'agrandir. C'est pour ça qu'on travaille au moins, je dis bien au moins le premier rang, minimum. Parfois, il faut les deux rangs, suivant le point que vous utilisez. Voilà. Donc, on va retester la taille de notre maille chaînette avec un ou deux rangs. Et on va remesurer. Et franchement, faites-le parce que vous allez avoir des sacrées surprises si vous ne le faites pas. Parce que si vous dites, oh ben c'est bon, ça y est, j'ai fait ma maille chaînette, elle fait 13 cm. Vous entamez vos rangs, je peux vous dire qu'automatiquement votre pull, soit il sera trop grand, soit il sera trop petit. Voilà, ça c'est le crochet. En aiguille, je ne sais pas si ça fait pareil, mais au crochet, ça fait ça. Donc là, j'ai fait des mailles serrées. On va retester. Je pose. Voilà. Alors, avec la maille serrée, on s'aperçoit que je reste sur 13 cm. D'accord? Donc là, c'est bon. Donc, je me dis, ça, c'est OK. Je vais pouvoir monter mon pull. Par contre, on va faire avec un rang de bride. Alors attendez, parce que là ici un peu, voilà, un rang de bride, 1 2 3 et je pique au 5. Allez, on va faire un rang de bride, on va voir si, alors Ça dépend de votre façon aussi de crocheter. Il y en a qui crochettent très souple, il y en a qui crochettent très serré. Donc ça va jouer aussi. Ce qui joue aussi, c'est la laine. Des fois, on a des laines, quand je dis laine, c'est toute matière. Hein. On a la laine, le fil, qui parfois est élastique. Hein. Parfois, il ne l'est pas. Donc ça aussi, ça joue sur vos centimètres. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument retester
votre maille chaînette avec un rang voire deux. Voilà, j'espère que vous arrivez à bien me suivre et à tout comprendre. J'essaye d'être la plus claire possible. Voilà, parce que c'est vraiment important de savoir jongler pour adapter à notre taille et à ce qu'on veut. Hein. On n'est pas toutes standard, ni taille mannequin, ça se saurait. Ce serait trop monotone d'ailleurs. Donc il faut vraiment savoir tout calculer et savoir ce qu'il faut faire. Voilà, j'arrive à la fin et on va voir si, alors des fois ça peut changer, des fois ça change pas et ça dépend voilà du crochet, de la laine, de tout plein de choses. Donc là je me repositionne pile et voilà, donc là vous voyez je frôle un peu les 14. Donc on peut s'apercevoir que avec la bride, ça a tendance à allonger. Si c'est le cas, admettons, je me dis, on partait sur 12 cm, hein, là j'en suis à 14. Voilà. Je me dis, oulala, c'est trop grand. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, soit vous démontez tout, vous refaites une maille chaînette. Avec, alors là vous allez mesurer, alors je zoome hein, et je bouge, voilà, là je veux m'arrêter à 12 et je suis à 14, mais je vais regarder, vous voyez je vais là, je suis là, là je suis à 12, je vais regarder le nombre de brides qu'il faut que j'enlève, donc de 12 à 14 j'en ai 3 enlevées, donc soit je défais tout et j'enlève 3 mailles de ma maille chaînette, hein, tout simplement. Attention à votre multiple, si vous avez un point avec des multiples, hein, attention. Sinon, vous prenez pas la tête, hein, 3 brides on a dit, 1, 2 et 3. Et là, ici, cet excédent de maille chaînette, je vais tout simplement la défaire. Alors on y va très doucement. C'est toujours un peu délicat suivant la laine que l'on a dans les mains, mais c'est toujours faisable. Voilà. Hop. Vous y allez avec une aiguille s'il faut, hein, pour aller chercher. Voilà. Donc là, vous tirez doucement. Vous voyez, on enlève doucement la maille, hop, et là ça devient un tout petit peu plus facile puisque ici vous tirez, voilà, vous voyez, on enlève tout simplement les petites mailles mais sans toucher à ce qu'on vient de faire, et lorsque vous arrivez, vous voyez là à la maille que vous avez envie, mais vous refaites un tout petit nœud. Voilà, ni vu ni connu. On appelle ça un peu tricher. Bon, ça vous l'avez sûrement vu dans plein de vidéos, mais pour ceux qui connaissent pas, voilà, et ça vous évite de tout démonter. Quand vous êtes au premier rang, hein, pas quand vous en avez fait plein. Hein. Voilà. Donc c'est important de remesurer. Voilà. Toujours. Et là, vous voyez, j'arrive, je suis à mon 12 cm. Impeccable. Voilà. Donc ça, c'est important de le faire constamment, constamment, constamment. Même moi, quand je vous dis, par exemple, sur mes 90 là, quand je vous ai dit par exemple 90 cm 120 mailles, si c'est la même laine c'est impeccable, par contre si vous avez une laine différente vous allez faire 120 mailles et vous allez voir
combien ça va vous faire. C'est-à-dire que vous allez monter une maille chaînette pour arriver à 90 cm. Ça ne veut pas dire que vous allez faire 120 mailles, puisque la laine sera peut-être plus fine ou plus grosse. Donc c'est important de le faire. Vous aurez moins de mauvaises surprises. Et ça va vous éviter de démonter et redémonter constamment. Et c'est là qu'on s'arrache les cheveux, souvent. Voilà. Donc ça, c'est l'astuce à ne jamais oublier et à faire à chaque fois. Que ce soit pour un pull, un gilet, quoi que ce soit, n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est bon pour nous. Je pense que je vous ai tout dit. Oui. Maintenant, on va passer à notre échantillon. Maintenant, ensemble, on va regarder la partie échantillon. Alors, l'échantillon, c'est vrai que moi, je ne le fais pas forcément suivant ce que je veux créer. Mais on va dire que... ouais, à moitié, 50-50, je le fais de temps en temps. L'échantillon, c'est quoi? Alors, bon, là, j'ai pris une étiquette bidon, hein, qui n'a rien à voir avec cette laine, mais parce que le dessin est assez clair pour que vous le voyez. Donc, souvent, donc sur les étiquettes de vos pelotes, vous avez le carré. Le carré, tout le monde le connaît, mais je donne les bases pour nos débutantes. Ça veut dire que le carré fait 10 cm de haut et 10 cm de large. Donc, le 10 x 10. Ça veut dire que sur 10 cm de large, il a fallu 13 mailles. Et les 10 cm en hauteur, il a fallu faire 20 rangs. Particularité, c'est que ce carré a été fait en aiguille. Tous les carrés. Alors même si à côté vous avez le dessin du crochet, des fois vous avez les aiguilles et le crochet. Et vous avez le carré. Le carré est toujours fait avec les aiguilles. Donc pour nous, ben ça vaut rien. Alors même aux aiguilles, hein, parce qu'aux aiguilles, suivant le point, suivant comment vous tricotez, bon, après ça donne quand même un ordre d'idée pour les logiciels, pour calculer le nombre de pelotes. Mais nous, en crochet, sachant que notre crochet est très très gourmand, ça joue énormément. Donc, l'idéal, je dis bien l'idéal, c'est de prendre la laine qu'on souhaite utiliser. Alors, ça, je prends l'hypothèse que vous avez la laine chez vous, ou au moins une pelote. On est d'accord, hein? C'est-à-dire que vous l'avez acheté en magasin. Quand vous l'achetez sur Internet, c'est sûr que vous n'allez pas payer les frais de livraison pour une pelote et recommander derrière. Donc ça, c'est si vous l'achetez en magasin et que vous avez la possibilité de prendre une pelote. Bon, après, chacun gère à sa façon. Il y en a qui achètent l'ensemble des pelotes et fait quand même son échantillon. Bon, ça, c'est à vous de voir, hein, suivant comment vous pratiquez. L'échantillon, dans notre cas, ben, on fait au crochet un carré. Alors, vous allez faire un carré en fonction du point que vous aurez choisi. Si votre point, je prends un exemple, fait une bride, des mailles serrées, une bride, des mailles en l'air, une bride et un motif, vous le faites dans votre échantillon. Ce que vous allez mettre dans votre pull, vous le faites en échantillon. Ainsi, vous aurez vraiment la représentation en centimètres et en rang pour connaître essentiellement vos nombres de pelotes. Là, on est pour savoir le nombre de pelotes. Moi, j'ai décidé pour la vidéo et pour la simplicité de faire des brides. Admettons, je veux faire un pull rien qu'en bride. Donc, j'ai fait que des brides. Voilà. Donc, j'ai fait un nombre de mailles qui fait 10 cm et j'ai fait un nombre de rangs qui fait 10 cm. Donc c'est mon fameux échantillon, mon carré qu'il y a partout sur les étiquettes. Maintenant, il va falloir noter. C'est-à-dire, alors,
ici. Je suis en train de calculer en même temps. Là, votre carré. Voilà. Donc, votre carré en crochet. On est bien d'accord. Celui qu'on vient de faire. Donc, pour 10 cm sur 10 cm. Donc là, 10 cm sur 10 cm. Alors, on va compter ici le nombre de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc ici, j'ai fait 17 mailles en l'air. Et combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, j'ai fait 8 rangs. Et avec cet échantillon, je vais savoir à peu près combien il va me falloir en mettre les pelotes. Et devinez, c'est notre petit multiple de 3. Après, vous avez la possibilité de mettre cette info, dans aussi un logiciel. Donc là, par exemple, vous savez que pour 10 cm, vous avez 17 mailles. Donc ça vous donne aussi, vous voyez, cette astuce de dire, bon, pour 10 cm, j'ai fait 17 mailles. Et pour mon pull qui fait 50 cm pour le pan de devant, hein, il me faut tac tac. Et là, on fait encore notre produit en croix. Donc, 50 fois 17 divisé par 10, ça va vous faire 85 mailles en l'air. Sachant que ça, c'est pour le devant, donc vous allez le multiplier par 2 pour avoir entièrement votre pull. Voilà, d'accord? Donc ça vous permet, voilà, de pouvoir aussi calculer un peu les centimètres. Maintenant, cette info-là, vous avez la possibilité, maintenant que nous avons Internet, de pouvoir rentrer ces données dans un logiciel. Alors, j'ai trouvé deux petits logiciels qui vous permettent, avec cet échantillon, donc le vôtre, de calculer le nombre de pelotes que vous avez besoin. Voilà. Donc, sous la vidéo, ici, je vous rappelle que vous avez le lien pour mon blog, pour l'article, pas le blog, l'article. Et dans l'article, vous avez les liens directs des deux logiciels. Vous rentrez ces données-là et le logiciel va vous calculer le nombre de pelotes que vous avez besoin. Environ. Attention, hein. Voilà. Rajoutez peut-être 2-3 pelotes de plus par mesure de sécurité si vous commandez sur Internet. Autre solution. Si vous n'avez pas de logiciel, vous prenez votre échantillon. Alors, deux possibilités. Vous savez que sur l'étiquette, vous avez les grammes et les mètres. Vous prenez votre échantillon et vous le pesez. Vous avez les grammes. Et après, vous faites le produit en croix pour les grammes. Par exemple, comment vous dire ça? Vous avez par exemple, je dis une bêtise, mais par exemple, allez, 5 grammes l'échantillon qui fait tant de centimètres. Vous avez besoin par exemple de 50 centimètres, donc vous savez, vous allez multiplier et après
vous faites le produit en croc par rapport à un gramme. Vous regardez par exemple si pour le pull, ben, il vous faut, je dis une bêtise, mais 300 grammes, hein, ben, vous savez que il vous faudra, il vous faudra 60 pelotes. Voilà, c'était les toutes petites pelotes. Hein. Voilà, d'accord. Donc, c'est toujours les calculs des produits en croix. Autre solution, aussi, donc là, on parle de grammes, c'est-à-dire que vous le pesez. Maintenant, vous avez aussi les mètres. Dans ce cas-là, à partir de là, vous allez défaire tout votre échantillon. Alors, admettons, vous voyez ici, bon, je le retiens ici, vous allez tout défaire. Alors là, c'est un peu plus fastidieux. Bon, après, c'est pas... Voilà, vous défaites tout l'échantillon et après, vous allez mesurer avec votre mètre. Vous allez mesurer toute la laine que vous avez utilisée pour faire l'échantillon. Et là, vous aurez aussi les mètres par rapport à 10 cm. J'espère que je suis assez claire. Vous suivez, vous suivez? Parce que bon, là, nous avons quitté le côté créatif. Nous sommes dans le côté matheux. Voilà. Hein. Mais ils le font un tout petit peu. Donc là, c'est pareil. Vous allez faire des calculs, produits en croix, au niveau, en proportionnalité. Et vous aurez les mètres. Et vous savez que si, par exemple, il vous faut, admettons, 100 mètres, ben, il vous faudra 2 pelotes. Voilà. Donc là, c'est un peu plus rudimentaire. Je pense que vous avez quand même accès à Internet. Vous rentrez tout, les mailles, la pelote, le renseignement sur les pelotes et le logiciel va vous dire le nombre de pelotes. Donc, je pense que c'est quand même plus facile. Mais bon, si vous êtes en campagne, au fin fond de la France ou ailleurs, et que vous n'avez pas l'ordinateur, il y a toujours la possibilité. Nous avons plein de ressources, nous, l'être humain. Nous avons nos calculs encore, nos calculs de base. Voilà. Donc, j'espère que pour vous, ça a été assez clair. Hein, le poids, s'il fait 2 grammes, 2 grammes, il fait pour, je ne sais pas moi, 10 cm. Si vous avez besoin de 50 cm, combien il vous faut de grammes? Donc, c'est pareil. Vous faites le produit en croix et, admettons, il vous ressort 100 grammes. Et bien, vous savez que vous aurez besoin, par rapport à l'étiquette, de 2 pelotes. D'accord? Toujours notre produit en croix. Notre produit en croix ou crochet, il nous suit partout. Calculez le gramme ou calculez les mètres. Calculez nos mailles par rapport au centimètre. Il nous suit partout. Voilà. D'accord? Bon, si j'ai pas été assez claire, n'hésitez pas. J'essayerai de vous réexpliquer en commentaire ou en message privé sur Facebook. Regardez, tout est écrit aussi dans l'article que je vous ai mis. Avec l'écriture, des fois, on mémorise un peu plus facilement. Que vous dire de plus? Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On a parlé des centimètres, on a parlé de l'échantillon, les petites astuces. Là, maintenant, ben, avec tout ça, je pense que... et mon magnifique dessin. Voilà, je pense qu'avec tout ça, vous êtes parés pour arriver à calculer les pelotes, les dimensions pour vos créations. Maintenant, je dirais que vous avez plus besoin de moi. Voilà. Je vous ai tout dit. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Ouais, non, c'est bon, voilà. Ça, c'est pour des montages classiques de pulls. Un pan devant,
un pan derrière, on coud, on fait les manches. Quand on fait des tap-down, hein, c'est les pulls que vous commencez par le haut, vous savez, et qu'on crochète en rond et on s'arrête. Donc ça, c'est autre chose au niveau dimension. Je dirais même que c'est plus facile. On le monte, et quand on arrive au centimètre voulu, on fait la couture et vous avez vos manches. Voilà. Mais c'est un autre. Ça, c'est les pulls classiques. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que cette deuxième vidéo d'astuces vous aura aidé ou peut-être mieux comprendre ou réviser, si vous savez déjà, et que ça va vous permettre de créer à fond, à fond, à fond, et de vous éclater. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé, likez, partagez, et puis je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette pour des créations, des astuces et plein d'autres choses. Allez, bisous mesdames. Allez, un petit bisou à messieurs si il y en a qui me suivent. Je vous souhaite une bonne journée, crochetez bien et à bientôt.